Que voulez-vous? Je suis la citoyenne Cordée. Je viens voir Marat. Non, c'est impossible, il est malade. Il ne voit personne. J'arrive de Caen. J'ai des informations importantes sur les projets des Girondins. Il faut que je le voie. Et je vous ai dit qu'il est malade. Qu'est-ce que c'est, Simone? C'est une femme qui arrive juste de Caen. Elle dit qu'elle a des nouvelles au sujet des Girondins. Fais-la entrer. Il est très faible. Vous ne devez pas rester plus de 5 minutes. D'accord? D'accord. Vous arrivez de Caen? Oui. J'ai des choses à vous dire. Oui, je sais. Caen est devenu un repère de traîtres. Combien de députés fédéralistes y sont réfugiés? 18. Voilà leur nom. Oui. Ils seront bientôt morts. Ce vase de pierre se trouve le cœur du grand Marat. Il restera toujours ici, en sa mémoire. C'est le cœur d'un grand homme. Un cœur qui inspire la peur à tous les traîtres. Et c'est la main d'un traître qu'il a arraché à l'amour de son peuple. Mais je vous promets, à vous, son peuple, ses amis, que les causes pour lesquelles il a toujours combattu survivront. J'ai demandé personnellement à la Convention la construction de greniers où le grain sera gardé pour le protéger contre les spéculateurs et tous ceux qui voudraient affamer le peuple à leur profit. Je te félicite, Maxime. Je suis très heureux pour toi. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, mon ami. Mes félicitations, Robespierre. Eh bien, tu prends ça très calmement. Franchement, je suis soulagé d'avoir quitté le comité de salut public. Comme lui, d'être débarrassé de moi. Robespierre est plus fait que moi pour ces réunions assommantes. Et maintenant? Je vais aller pêcher. C'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Est-ce que tu penses revenir? Non, non, sauf si c'est nécessaire. Viens me voir. C'est bien. Messieurs, le comité de salut public va commencer ses travaux. C'est l'heure.